Ouais, bonjour à tous. Bon, désolé, encore les suites de mon accident. Donc, un petit cocard. Je vais vous parler de Beyrouth, de la guerre civile libanaise et comment j'ai pu échapper à des milices qui m'en voulaient à Beyrouth-Ouest. En effet, des myriades, je dis bien des myriades de petites milices pro-palestiniennes sévissaient dans Beyrouth-Ouest. Elles n'étaient absolument pas contrôlées par l'OLP, l'organisation de Yasser Arafat. Les plus connues et les plus redoutées étaient la milice Amal, qui était pro-iranienne, et le djihad islamique. Beaucoup de ces milices sont inféodées à la Syrie également. Et n'oublions pas que la Syrie va envahir le Liban quelques années plus tard. Beyrouth est complètement détruite. Il n'y a plus un immeuble de bon. La ville est séparée en deux. Beyrouth-Ouest est le quartier d'Ashrafieh à Beyrouth-Est. Le quartier d'Ashrafieh est un quartier chrétien. Les milices chrétiennes se sont groupées autour de Pierre Gamaliel et ses enfants, Amine et Béchir Gamaliel. Moi, je reviens d'un reportage à Ashrafieh et j'arrive donc à Beyrouth-Ouest. J'ai passé la ligne des démarcations. J'arrive à Beyrouth-Ouest, je suis dans un no man's land. Je vais rejoindre mon hôtel qui se trouve à Beyrouth-Ouest. C'est alors que des hommes m'entourent. Ils rigolent et ils m'entourent. Moi, je meurs de peur. Tous les journalistes se disent attention, attention, il n'y a pas eu encore, mais il va y avoir des prises d'otages. Prises d'otages qui ensuite se sont multipliées. Alors, on est tous aux aguets, on se dit oui, il faut y aller par deux ou par trois. Moi, je suis allé tout seul à Ashrafieh et je suis tout seul. Et là, les mecs m'entourent, ils rigolent, ils se foutent de ma gueule. Je sens que c'est pas bon du tout. Thank you.
ce moment-là, il y a un moteur qui ronfle. Je me dis qu'on va m'embarquer dans un 4x4. Une rafale claque. Et là, les hommes devant moi détalent. Je regarde. C'est la milice de l'OLP, de l'Organisation de Libération de Palestine, qui vient me libérer, enfin me libérer. Qui m'a sauvé de ces petits voyous qui tentaient de s'en prendre à moi. Stop, 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 stop. Voilà quelle était la vie des journalistes, la vie quotidienne des journalistes à Beyrouth au début de la guerre civile. Je vous remercie de votre attention, à très bientôt et n'oubliez pas le pouce. Ah, pas comme ça, mais n'oubliez pas le pouce quand même.